pour vous et aussi pour maman. Et toi, tu as 11 ans, 12 ans. Ah oui, là, à septembre, tu vas faire le filiage. Oh, la grande bouffée. Là-bas, mais ça peut coûter énormément. Ah, oui. Voilà.
Chers amis, chers frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Je prends la parole pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue en cette cathédrale Saint-Jean-Baptiste, où Mgr Norbert Turini, archevêque métropolitain de Montpellier, installera dans quelques instants son successeur, Mgr Thierry Scherrer, sur le siège du diocèse de Perpignan-Elne. Je salue particulièrement tous ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur la chaîne KTO, ainsi que les auditeurs de RCF Occitanie et de Radio Fidélité Mayenne. Je salue très respectueusement les évêques diocésains, les évêques émérites, ceux de la province de Rennes, d'où arrive Mgr Thierry Scherrer, évêque d'Avignon ou de Rodez, et bien sûr les évêques de la nouvelle province de Mgr Scherrer, la province ecclésiastique de Montpellier. Les évêques de cette province sont heureux d'accueillir leurs frères dans cette belle collégialité. Un salut tout particulier à notre voisin, Mgr Joan Enric Bibès, archevêque de la Seu d'Urgell, coprince d'Andorre, ainsi qu'à Mgr Alexis Tagbino, évêque de Cancan, notre diocèse jumeau en Guinée-Conakry. Bienvenue au très révérend Père Emmanuel Marie, abbé de la Grâce, ou encore au Père Hugues de Voyemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Je salue l'ensemble du clergé ici présent, les prêtres, les diacres. Je salue les consacrés, les fidèles, les laïcs en mission ecclésiale, ceux des diocèses de Laval, de Perpignan et d'ailleurs, qui accompagnent de leur amitié et de leur prière Mgr Thierry Scherrer cet après-midi. Comment ne pas insister, cher Mgr Scherrer, sur la présence des fidèles du diocèse de Laval qui sont venus en nombre vous accompagner pour être à votre côté cet après-midi. Les fidèles de Laval, nous voulons les rassurer ici. Les Catalans prendront soin de Mgr Scherrer. Je peux en témoigner. Nous avons parmi nous Mgr Celestino Migliore. Vous êtes notre nonce apostolique en France. À ce titre, vous représentez le Saint-Père, le Pape François. Merci Mgr pour votre présence proche et fraternelle. Merci de vous associer à la joie des Catalans qui accueillent leur nouveau pasteur. Merci de transmettre au Pape François tous nos voeux de prompt rétablissement et l'assurer de notre attachement filial et de nos prières. Je salue les officiels, je salue les personnalités, les élus présents. Le respect de la laïcité n'empêche pas d'apprendre à se connaître et à s'apprécier pour participer chacun avec nos différences au bien commun, au service de tous. Je salue de tout cœur les responsables des autres confessions chrétiennes, les représentants des communautés juives, musulmanes ou bouddhistes. Ensemble, nous avons réussi à bâtir une belle fraternité dans ce département et nous allons continuer à la vivre avec Mgr Thierry Scherrer, notre nouvel évêque.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Bonjour. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je partage, bien entendu, et je l'ai fait mienne, les paroles de bienvenue que vous a adressées l'abbé Marc Justafré, administrateur diocésain, pour quelques minutes encore. La Providence a voulu qu'aujourd'hui, avec l'installation de Monseigneur Thierry Scherrer, nous fêtions également tous les pères. Alors bonne fête à tous les papas ici présents. Bonne fête aussi à toi Thierry, parce que quelque part, évêque, prêtre, nous exerçons une paternité pastorale et spirituelle. Et il est heureux que tu sois installé particulièrement aujourd'hui. Sœurs et frères, vous imaginez mon émotion et ma joie de revoir dans cette belle cathédrale tant de visages connus d'évêques, de prêtres, de diacres, de consacrés, de sœurs et frères laïcs, d'amis. En presque 8 ans, des liens se sont noués et j'ai fait de mon mieux pour servir cette église diocésaine de Perpignan-Elne. Mais je ressens une joie plus grande encore, celle de te passer le relais, mon cher Thierry. Je le ferai après la lecture de la bulle pontificale, en te remettant le bâton pastoral et en te conduisant à ta cathèdre, que je n'occupe que provisoirement, je le précise. Désormais, tu vas faire corps avec cette église diocésaine qui m'a donné tant de bonheur, mais aussi un petit peu de soucis. L'un ne va pas sans l'autre, et les soucis nous permettent d'apprécier les bonheurs de la mission. Cette église, Thierry, le Seigneur va la graver en toi. Tu la porteras dans ton cœur, dans ta prière, comme je l'ai portée et comme tu l'as fait toi-même dans ton précédent diocèse de Laval. En partant de la côte Vermeille et de la côte Radieuse, en remontant les vallées de la Tête, du Tec et de la Glie, en traversant le Conflent jusqu'en Cerdagne et en Cap-Cyr, tu vas voir comme elle est belle, cette église qui t'attendait depuis plusieurs mois. Tu vas la découvrir, la parcourir, la rencontrer, et le Seigneur va t'y attacher passionnément, avec enthousiasme, pour la servir, l'aimer et annoncer inlassablement la joie de l'Évangile. Tu le sais. Plus tu te rendras disponible pour rencontrer le Christ dans la prière, et plus il dilatera ton cœur à la dimension de ce peuple qu'il te confie. Notre vie d'évêque nous fait participer à cette extraordinaire histoire d'amour entre Dieu et le monde, pas seulement entre Dieu et l'Église, mais entre Dieu et toute la famille humaine. Nous sommes évêques de l'Église catholique, une Église tournée vers tous et ouverte à tous, qui fait de toi un pasteur pour tous. Enfin, en plus des 2 cathédrales du diocèse, celle de Perpignan et celle d'Elne, il y en a 2 autres qui te rappellent que tu es sur une terre de rugby.
le stade de Gilbert Brutus, et celui d'Aimé Giral. J'y ai quelquefois pratiqué sur les tribunes, mais pas sur la pelouse, je précise. Tu deviens également, Thierry, l'évêque des deux rugby pour encourager les Dragons catalans pour le 13 et l'USAP pour le 15, avec qui, si Dieu veut, nous célébrerons le 4 août, nous l'espérons, la victoire de Perpignan en match amical contre le Racing. Et nous ne serons pas trop de deux ou trois évêques pour soutenir les joueurs et leur président François Rivière, que je salue. Après cet intermède ovalistique, Thierry, je connais ton attachement à la Vierge Marie. Tu passes de Notre-Dame de Pontmain à Notre-Dame de Font-Romeu. De son sanctuaire, là-haut en Cap-Cyr, elle est descendue à ta rencontre. Elle te rejoint afin d'accompagner ton ministère de toute sa tendresse et, par son intercession, attirer sur toi l'Esprit Saint pour une belle et fructueuse mission dans ton nouveau diocèse. Je te le souhaite avec toute mon affection fraternelle et que la joie soit aujourd'hui dans tous les cœurs. Chers frères dans l'épiscopat, tu dois avoir reçu du siège apostolique la lettre qui te désigne pour la charge d'évêque de Perpignan-Elne. Qu'on la montre et qu'on en fasse la lecture. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre vénérable frère Thierry Scherrer, jusqu'ici consacré évêque de Laval, évêque nommé de Perpignan-Elne, salut et bénédiction. Ayant été récemment renouvelé par le mystère pascal, louons Dieu le Père qui, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, dans une foi vivante, afin que, gardant notre esprit en éveil et sobre, nous espérions pleinement en la grâce qui nous est offerte. De la première épître de saint Pierre, 1.3.13. Informé avec assurance, nous nous tournons de bon cœur vers les besoins de la communauté bien-aimée de Perpignan-Elne, dont l'évêque, notre bien-aimé frère Norbert Turini, a été transféré à l'archidiocèse métropolitain de Montpellier. C'est ainsi que nous avons pensé à toi, qui, dans l'activité pastorale, était déjà pourvu de dons spirituels et humains, ainsi que de compétences à gérer les situations, et nous te jugeons apte à l'exercice de ce nouvel office. C'est pourquoi, sur le conseil du dicastère pour les évêques, et selon notre autorité apostolique plénière, après avoir rompu ton lien avec l'Église antérieure, nous te constituons
comme évêque de Perpignan-Elne, avec les droits et obligations propres attachés à cet office. Nous voulons que tu informes de notre décret le clergé et le peuple de ce diocèse qui, t'ayant choisi comme père, entendu comme maître et gardien respecté, sous l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Jean-Baptiste, et guidé par l'exemple de ta sagesse, se réjouissent de la lumière de la vérité et des effets du salut. Donné à Rome, au Latran, le 11 du mois d'avril de l'an du Seigneur 2023, 11e de notre pontificat, François. Chers amis du diocèse de Perpignan-Elne, permettez-moi de vous présenter votre nouvel évêque en m'adressant directement à celui qui, depuis quelques secondes, est devenu notre ancien évêque. Monseigneur Scherer, vous arriviez en 2008 en Mayenne de l'archidiocèse d'Aix et Arles. Le Saint-Père Benoît XVI vous a demandé une traversée de la France pour venir rejoindre notre bocage mayennais. Vous avez alors quitté un ciel bleu intense, le ciel de Provence, pour rejoindre un autre bleu. Je veux parler de celui de Notre-Dame de Pomain et son sanctuaire marial que vous affectionnez particulièrement. C'est d'ailleurs dans la basilique de ce même sanctuaire que vous avez été ordonné évêque le 6 juillet 2008. Vous avez été notre évêque durant 15 ans, après avoir succédé à Mgr Armand Maillard. 15 années durant lesquelles vous avez appris, selon vos propres mots, votre métier d'évêque. Nous espérons avoir été de bons formateurs. En réalité, votre devise épiscopale nous a rappelé que le vrai formateur, c'est l'Esprit Saint. Cherchez dans l'Esprit votre plénitude. Cette devise, tiré de la lettre aux Éphésiens de saint Paul, vous caractérise bien. Vous êtes un homme inspiré, un homme d'intuition, et vous avez à cœur de vous laisser guider par l'Esprit Saint. Vous êtes un homme de prière. L'Esprit Saint est ce maître intérieur que vous vous efforcez de suivre, et comme pasteur, vous nous avez inlassablement encouragés durant toutes ces années à l'écouter. Vous nous avez encouragés à donner à la prière la première place. Je me souviens d'une homélie enflammée. Nous n'avons qu'à regarder votre chasuble. Une homélie enflammée, un jour de Pentecôte, au cours d'un rassemblement diocésain, où vous nous invitiez à conclure, ni plus ni moins, un pacte
avec l'Esprit Saint. Vous êtes un homme de la lectio, de la prédication, de l'enseignement, de la formation. Vous avez sans cesse encouragé les communautés paroissiales et les mouvements d'apostolat des laïcs à mettre la parole de Dieu à la première place. Vous êtes un homme proche des pauvres, sensible aux personnes fragiles, porteuses de handicap ou pas. Ils sont nombreux ceux qui ont reçu un mot écrit de votre main pour les encourager, les soutenir, les bénir. Vous êtes attentif aux situations de souffrance dans la société. Vous êtes un pasteur qui aime rencontrer son peuple, qui aime travailler avec son presbytérium, avec toutes les institutions diocésaines. Vous aimez faire confiance aux diocésains en responsabilité. Vous savez cultiver le dialogue avec les instances de la société. Votre épiscopat en Mayenne aura été marqué par la célébration d'un synode que vous avez souhaité et qui a été largement soutenu par le Conseil presbytéral. 3 années durant lesquelles vous avez mis le diocèse en marche. Tu as du prix à mes yeux. Dans ce monde aimé de Dieu, ouvrons des chemins de joie. Tel était le thème de ce synode. 57 orientations, 6 lois, 22 décrets en ont été les fruits. Il nous reste bien sûr à les mettre en œuvre. Mais déjà, l'œuvre de Dieu, nous l'avons contemplée à travers les 500 équipes synodales qui se sont mises au travail. Ce synode nous a laissé une belle feuille de route qui nous conduira jusqu'en 2030. Soyez-en remerciés. Le 4 juin dernier, vous disiez au revoir aux Mayennais au cours d'une messe d'action de grâce en votre cathédrale de la Trinité. Permettez-moi de reprendre les 3 mots que l'archevêque de Rennes, Monseigneur Dornelas, vous a alors adressés en soulignant 3 traits de votre épiscopat. L'humilité, la simplicité et la communion. Cher Monseigneur, cher Père, les Mayennais vous souhaitent un bon et fructueux ministère dans ce nouveau diocèse dont vous êtes désormais le pasteur. Chers amis du diocèse de Perpignan-Elne, le relief de votre département est nettement plus marqué que celui de la Mayenne. Mais cela ne va pas décourager Monseigneur Scherer de le découvrir à vélo ou peut-être aux commandes d'un avion bimoteur. Vous n'allez sans doute pas tarder à entendre de la bouche de Monseigneur Scherer, elle est belle, notre église de Perpignan-Elne, comme il a pu nous le dire avec beaucoup d'amour pendant 15 ans au diocésain du diocèse de Laval. Votre évêque a une âme d'artiste. Il aime tout ce qui est beau. Comment pourrait-il ne pas aimer ce magnifique département des Pyrénées-Orientales? Elle est belle, l'église de Perpignan, elle.
Monseigneur, notre cathédrale est désormais la vôtre. Aussi, en tant que doyen du chapitre cathédral, je vous propose de considérer cette nef comme votre vaisseau amiral. Nous sommes à l'orient des Pyrénées et la nef est orientée à l'est. Ici, la Méditerranée et ses plages. Sa proue pointe vers le soleil levant, le ressuscité dont la croix victorieuse est tenue par Jean-Baptiste, le guetteur du cap à tenir. L'entrée est à la poupe, soleil couchant, face à la loge de mer avec son bateau girouette. Et entre la mer et la loge de mer, la cathédrale m'évoque la barque de pierre. Au-delà du parvis, à l'ouest, c'est la route vers les hauteurs avec les abbayes et les cloîtres, les diverses stations, le fier Canigou, puis l'Andorre, fraternelle principauté. Trois fleuves dessinent trois vallées parallèles à la nef. La Gly, au nord, la Teste, à Perpignan, et au sud, le Tech. Du côté des orgues, c'est le nord. Et après Sals, la France, disaient nos aînés. La France qui annexe le Roussillon en 1659 et d'où souffle à peu près la Tramontane. Par le sud, à droite, et après elle, l'ancien évêché, se trouve l'Espagne, les évêchés catalans et Montserrat, lié à Saint-Michel de Cuxhaven. Le capitaine que vous êtes doit piloter une flotte de nefs, paroisses regroupées en communautés. Depuis des siècles, elle navigue dans la joie de l'Évangile, surmontant vent et marée. Invasion, guerre, intempéries comme la sécheresse, tout cela ont marqué notre peuple au riche patrimoine artistique avec ses musées et ses festivals. La terre a été patiemment travaillée pour que ses fruits, ses vignes, ses troupeaux, ses sources permettent à tous, l'homme de Totavel, nos ancêtres ont connu Ibères, Visigoths, Grecs et Romains, Maures, Juifs, Gitans, Français, Castillans, et puis les exilés de la retirade espagnole et les rejetés des camps d'Argelès aux Rives-Altes. Beaucoup de justes des nations, ici, y compris des prêtres, n'en ont pas le titre. Mais ils ont sauvé
beaucoup de vies. Les paquebots de Port-Vendre ont embarqué des jeunes pour la guerre d'Algérie. Et puis les mêmes paquebots ont débarqué ceux qui ont tout perdu en Afrique du Nord. Et puis il y a toujours les chers touristes, les saisonniers, et ceux qui espèrent avec Aznavour que la misère serait moins pénible au soleil. Le département a plus de 470 000 habitants, dont 120 000 à Perpignan et 9 500 étudiants à l'université. Dépourvu de grandes entreprises, le département est le quatrième plus pauvre de France, avec le plus grand nombre de chômeurs, d'immigrés, des femmes violentées, des jeunes non scolarisés, des enfants mineurs prostitués. Le clergé, de moins en moins catalan, est aussi diversifié que la population. Une soixantaine de prêtres actifs et retirés et 25 diacres. Dès le 19e siècle, le nombre de prêtres baisse et les responsables en accueillent venus d'ailleurs. Les greffes sont parfois difficiles et ne règlent pas toujours la chute des vocations. Le grand séminaire est fermé en 1956. Les congrégations religieuses qui embellissaient notre département ont dû le quitter. Celles qui restent collaborent avec des nouvelles communautés à la jeunesse inattendue. Dès la construction de la cathédrale au XIVe siècle, le manque de ressources financières oblige à réduire le rêve des trois nefs à une seule. On ne s'en plaint pas. Et à laisser la façade d'entrée sans décoration. Aujourd'hui encore, nos finances sont dans la même grande fragilité. Mais elles réveillent l'élan missionnaire. Et comme nous sommes au fin fond de la France, presque à la périphérie, cet élan se porte auprès des plus démunis, des naufragés de toutes sortes d'abus et de ceux que le pape François appelle les périphéries. Entraide, écoute, repas, alphabétisation, dépannage, ils sont nombreux, offerts par des paroisses, des services, des religieuses. De même, les accompagnateurs de malades, de prisonniers, de fiancés, de familles en deuil, équipes de prière ou confréries, catéchistes d'enfants, d'adultes, de catéchumènes ou de jeunes se préparant pour les JMJ avec des pop louanges où les sonos explosent de joie.
et puis les équipes d'animation, pastorale, financière, immobilière, d'entretien, ou ceux qui depuis 30 ans se forment au centre théologique Ramon Llull avec l'Institut catholique de Toulouse, et ceux qui rencontrent des chrétiens d'autres confessions ou des croyants juifs, musulmans, bouddhistes, frères qui nous font l'amitié d'être ici présents. Avec ces laïcs, bénévoles, dévoués matelots, mais pas galériens, grandit une co-responsabilité puisée dans le Concile Vatican II et nos synodes. Depuis celui de Toulouse, en 1020, où l'abbé et évêque Oliba crée la paix et trêve de Dieu, Pau et Treve. Après un des premiers synodes de France, avec Mgr Chabert et Mgr Faure, et un autre avec Mgr Marceau, Mgr Turini, lançait un nouveau projet, mais il n'est plus là. Les décisions sont belles et leurs applications en germination. Heureusement, oui, ils sont nombreux et discrets. Ceux et celles qui donnent du levain et du sel dans la société. Catalan de souche ou de cœur, dansant la sardane ou l'admirant, nous apprenons à convertir l'épreuve en courage et notre entêtement en espérance. Avec nos marins, nous nous confions à Notre-Dame, Stella Maris, étoile de la mer, qui guide la barque de pierre, certainement depuis Pontmain et depuis Font-Romeu. Aussi, Père, nous vous remercions d'être notre nouvel amiral épiscopal pour naviguer, selon votre devise, au souffle de l'Esprit. Jésus nous dit « Avance à nos profondes ». Nous avons déjà largué les amarres. Aidez-nous à lever l'ancre.
Seigneur Dieu, dans chacune des églises en pèlerinage sur la terre, tu rends visible l'Église une, sainte, catholique et apostolique. En ta bonté, accorde d'être unie à son pasteur et d'être rassemblée dans l'Esprit Saint par l'Évangile et l'Eucharistie, de sorte qu'il représente vraiment ton Église universelle et soit dans le monde signe et instrument de la présence du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï, et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu ? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin
qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, mes amis, si je considère comme vraiment anecdotique la coïncidence de date qui en a fait sourire beaucoup et qui me vaut d'être appelé un 18 juin à aller servir l'Église du Christ qui est à Perpignan et Elne, et quelle église! Plus sérieusement, en revanche, je reçois avec enthousiasme et gravité à la fois cette séquence de l'envoi en mission des 12 que nous méditons ce dimanche dans l'évangile de saint Matthieu. Avec enthousiasme, car la parole de Dieu est joie pour le cœur, lumière sur nos chemins de vie. C'est un trésor d'une richesse inépuisable pour quiconque en explore les profondeurs. Avec gravité aussi et gratitude, car en nous faisant contempler la mansuétude de Jésus, le bon pasteur, la douceur de son cœur plein d'amour, cette séquence d'évangile nous conduit à la source même de la charité pastorale. Pour moi, en tout cas, qui devient officiellement votre évêque en ce jour, je la reçois, cette séquence, comme une flèche de feu qui vient transpercer, en quelque sorte, mon cœur de pasteur et de successeur des apôtres. En voyant Jésus agir, en effet, c'est le style même de Dieu qui s'exprime et qui nous est rendu manifeste, un style empreint de bienveillance, de proximité, de tendresse, de miséricorde. Un style que le Seigneur Jésus m'invite à adopter avec lui et en lui pour le bien du peuple confié à ma responsabilité de pasteur, pour votre bien, mes amis. Comme souvent, quand on prend le temps de méditer l'Évangile, notre attention se porte sur ce que Jésus fait, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il dit. Tout commence ici par le regard de Jésus. Voyant les foules, il fut saisi de compassion envers elles. Voyant les foules, Jésus nous voit. Il nous voit d'un regard plein d'amour. Il voit les foules d'aujourd'hui comme il les voyait il y a un peu plus de 2000 ans. Et son cœur est saisi de la même compassion devant leur dénuement extrême,
leur pauvreté spirituelle et le découragement qui les envahit du fait d'être des brebis sans berger. S'il est vrai, comme l'écrivait Blaise Pascal, que Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, alors oui, d'une certaine manière, on peut dire que Jésus souffre en voyant les foules en déshérence. Jésus souffre de voir tant d'hommes et de femmes déboussolés, livrés à eux-mêmes. Des hommes et des femmes qui se sentent abandonnés parce que personne ne s'est vraiment intéressé à leur vie, parce que personne ne leur a dit que Dieu les aimait, tout simplement, parce que personne ne les a considérés dans leur dignité imprescriptible, parce que personne n'a pris soin de les reconnaître dans ce qui les constitue en propre, leurs dons et leurs talents, leur charisme personnel, ce qu'ils sont en capacité d'apporter de beau et de grand à notre monde d'aujourd'hui. Comment ne pas penser aux jeunes générations, en particulier tous ces jeunes sans père et sans repère. C'est justement aujourd'hui la fête des pères. Comment ne pas penser à ces jeunes entraînés malgré eux dans les courants d'un monde liquide, avec ses artifices trompeurs et ses promesses illusoires, ces jeunes en attente d'éducateurs et de maîtres, de vrais éducateurs et de vrais maîtres qui puissent les aider à combler ce vide de sens que creuse une société consumériste où règne la loi du plus fort et le chacun pour soi. C'est vers ces foules-là que le Seigneur aujourd'hui nous envoie. Ô charité de Jésus, donne-nous des yeux pour les voir et les voyant, donne-nous un cœur qui puisse les aimer avec la même passion, avec la même compassion, le même feu que celui qui brûle dans ton cœur plein d'amour. Il y a le regard de Jésus que se pose ce soir sur chacune et chacun de nous, le regard plein de compassion et de miséricorde de Jésus. Et puis il y a la parole qu'il nous adresse dans la tonalité grave d'un avertissement actuel que jamais. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. En des temps où les vocations se font rares, c'est un euphémisme, le père Marty tout à l'heure nous l'a rappelé, cela nous rassure en un certain sens d'apprendre que la pénurie de serviteurs de l'Évangile ne date pas d'hier, qu'elle remonte aux origines même de l'Église. Jusqu'à la 11e heure, on s'en souvient, le père est allé chercher les ouvriers dont il avait besoin pour sa vigne. C'est dire que l'Église est née en quelque sorte en état de manque. C'est sa marque de fabrique, si j'ose dire. C'est ce qui lui fait éprouver depuis toujours sa pauvreté devant l'ampleur de la tâche à accomplir et la précarité de ses moyens. De là, cet appel à prier que Jésus nous relaie avec tant d'insistance. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. C'est cet appel de Jésus que Marie, permettez-moi de le redire en passant, nous a relayé à Pontmain avec la même insistance lorsqu'elle nous a dit « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher ». Le lien, en tout cas moi je le fais, se fait tout naturellement, spontanément, entre cet appel impérieux à prier et l'exhortation de Jésus qui concluait cette séquence d'évangile. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Notre mission de chrétien baptisé, quelle est-elle en effet? Elle est de donner et de donner gratuitement. De donner quoi? De donner de l'amour, bien sûr,
et rien que de l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, nous dit Jésus, que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais de cet amour, justement, nous ne sommes pas la source. Cet amour que nous avons mission de diffuser comme un parfum au cœur du monde, en commençant par nos familles, nos lieux de travail ou de loisirs, nos communautés religieuses ou paroissiales, cet amour qui doit transparaître à travers tous nos actes, cet amour prend sa source ultimement dans le cœur de Dieu. Et c'est là très clairement que réside le sens de la prière, sa raison d'être. Œuvre de l'Esprit-Saint en nos vies, la prière opère, si j'ose dire, le grand remplissage de l'amour. La prière est l'apanage des pauvres. On prie bien sûr pour demander des choses au Seigneur. Il faut le faire, c'est Jésus qui nous le dit. Mais l'objet premier de la prière doit être de demander l'amour avec un grand A, de demander d'être rempli du Saint-Esprit. Nos capacités sont sans doute très diverses, mais comme disait la petite Thérèse, que nous soyons dés à coudre ou grands verres, cela ne change rien au fait que l'Esprit veut nous remplir tout entier. Qu'est-ce qui fait le barrage de Vinça quand il est rempli? Le trop-plein, il le déverse en aval pour féconder les terres, irriguer les cultures. Quelle belle image pour nous parler de notre vocation de baptisé, de disciple missionnaire. Qu'est-ce qu'un chrétien baptisé? C'est quelqu'un qui se laisse remplir de l'amour de l'Esprit-Saint pour pouvoir justement le faire redéborder sur les autres. Ce n'est pas plus compliqué que ça d'être chrétien. Abondance de la moisson, petit nombre des ouvriers. Aujourd'hui, comme hier, la disproportion, l'égalité de Dieu qui veut rassembler tous les hommes dans l'unité de l'amour et la pauvreté des instruments qu'il s'est choisi pour réaliser ce projet. Quel mystère étonnant, mes amis, de penser que Dieu qui est tout puissant, que Dieu qui se suffit à lui-même, ait voulu en quelque sorte avoir besoin de nous. Que pour réaliser son projet, il ait voulu se servir d'ouvriers limités non seulement dans leurs capacités humaines, mais aussi dans leur nombre. Chacun de nous, et moi le premier, peut se redire avec un émerveillement toujours neuf et une immense action de grâce au fond du cœur, Dieu m'a choisi, moi misérable créature, pour être de ses ouvriers de la moisson. Il a voulu avoir besoin de moi. Il m'a fait confiance malgré mes imperfections et mes faiblesses. Quel mystère de gratuité et de miséricorde. Permettez-moi, pour conclure, de reprendre cette admirable confession de foi de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Nous mettons, dit-il, notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons notre fierté en Dieu. C'est tout simplement magnifique. Mettre sa fierté en Dieu, ou mettre son orgueil, selon ce que proposait l'ancienne traduction, ce n'est pas faire montre de mépris ou de suffisance, ce n'est pas s'estimer supérieur aux autres, les regarder de être donneur de leçons, non. C'est considérer avec quel amour nous avons été sauvés de la perdition et de la mort. La preuve que Dieu nous aime, nous dit Paul, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils. De pécheurs, nous étions voués à la mort. Il nous a rendus justes par la vertu purificatrice de son sang rédempteur.
C'est bien ce mystère que nous fait revivre la procession de la sang qu'ici même à Perpignan chaque vendredi saint, nous reconnaître, aimer à ce point, aimer à la folie, considérer le prix que Dieu a payé pour nous dire ainsi son amour, voilà le seul motif de fierté qui doit envahir notre cœur de baptisé. C'est aussi l'unique point d'appui qui nous fait tenir debout dans l'existence, au cœur même des vicissitudes et des plus fortes tempêtes. Alors, mes amis, mettre notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si c'était notre programme de vie à nous aussi, notre programme de vie spirituelle et pastorale, et si c'était notre feuille de route en Église diocésaine, mettre notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, quel pari, quel défi! Vous êtes fiers, mes amis, d'être catalans, et vous avez raison. C'est un ancrage historique et culturel important, mais mettre sa fierté en Dieu, c'est autrement plus engageant, plus déterminant, car il en va de notre salut et du salut de ceux et celles vers lesquels le Seigneur nous envoie. Quand on met sa fierté en Dieu, on a envie de crier son nom. On a le désir fort, le désir brûlant de le faire connaître et de le faire aimer. On est plein d'audace, on est plein d'assurance. On n'a plus peur de rien parce qu'on est convaincu que le « qu'en dira Dieu » est bien plus important que le « qu'en dira-t-on ». Mes amis, un trésor a été déposé entre nos mains, répandu dans le vase d'argile de notre humanité d'hommes et de femmes, le trésor de l'amour de Dieu, le trésor de l'Évangile. Ne le gardons pas égoïstement pour nous. Accueillons ce soir l'exhortation du Seigneur. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Oui, nous avons reçu gratuitement. Alors, donnons gratuitement. Qu'il en soit ainsi. Amen.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. En célébrant le mémorial de l'amour infini de ton Fils, nous te supplions humblement, Seigneur, que son œuvre de salut porte du fruit par le ministère de ton Église, afin que soit sauvé le monde entier par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs Saint Jean-Baptiste, Sainte Eulalie et Julie. Ainsi que tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Thierry, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et tout particulièrement
l'abbé Jean Chédano et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, nous tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, éternel, le règne et la puissance de la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Chers frères et sœurs, pour le mouvement de communion, les ministres de la communion s'approcheront des points qui leur seront désignés. Je vous demande de bien vouloir attendre qu'ils soient aux places prévues. Les responsables bénévoles de chaque carré de la cathédrale donneront alors l'exemple pour pouvoir vivre cette procession de communion dans l'ordre et dans le calme. Merci de votre attention.
Prions le Seigneur. Que se fortifie, Seigneur, dans ton Église de Perpignan et se maintienne jusqu'au bout l'intégrité de la foi et la sainteté de vie, la charité fraternelle et un vrai comportement religieux. Puisque tu ne cesses de la nourrir du corps de ton Fils et de ta parole, conduis-la et protège-la toujours par le Christ notre Seigneur. Ensemble, tournons-nous maintenant vers la Vierge Marie, la Mère de l'Église et notre Mère. Prions-la pour notre diocèse et pour nous-mêmes en la chantant.
Mes amis qui êtes rassemblés ce soir dans cette cathédrale Saint-Jean-Baptiste ou sur son parvis, ce n'est pas sans émotion que je prends maintenant la parole devant vous. Je vous l'avais déjà dit, le jour où ma nomination avait été rendue publique, le mardi de Pâques, mais je vous le redis aujourd'hui, pour que vous en soyez vraiment convaincus, avant même de savoir où j'allais être envoyé, je vous aimais déjà. Sans vous connaître encore, oui, je vous aimais déjà. Je vous aimais en tout cas du désir de vous aimer. Alors en ce jour où je prends officiellement possession de mon nouveau siège épiscopal, je vous demande instamment de prier avec moi l'Esprit Saint pour qu'il déploie en moi ses dons, pour qu'il élargisse en quelque sorte l'espace de ma tente intérieure. C'est une belle expression du prophète Isaïe, vous la connaissez. Élargis l'espace de ta tente, car mon grand désir est que vous ayez, chacune et chacun, une place dans mon cœur d'évêque. Ma pensée rejoint celles et ceux qui n'ont pas pu se rendre présents à cette célébration, qui en ont été empêchés pour diverses raisons, celles et ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, je pense d'une manière particulière aux personnes âgées, malades ou handicapées, je pense également aux détenus du centre pénitentiaire de Perpignan. Je salue à mon tour très cordialement et respectueusement Monsieur le Préfet et les services de la préfecture, les représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le représentant du maire du Conseil municipal de Perpignan, Messieurs les directeurs, les chefs des services départementaux, Monsieur le Président du tribunal judiciaire, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des autorités, des services et associations civiles et militaires, Messieurs les directeurs et chefs des services départementaux, je forme le vœu que, tenant chacune et chacun le poste qui nous a été assigné, sans empiéter sur les domaines d'intervention qui nous sont propres, nous soyons les serviteurs du bien commun et que nous le manifestions par des liens de collaboration fructueuse et de bienveillance mutuelle. J'avais déjà dit le lien fraternel très fort qui me lie à mes deux prédécesseurs ici présents, Monseigneur André Marceau et Monseigneur Norbert Turini. Il se trouve d'ailleurs que depuis que j'arpente ce beau département, je n'entends que des louanges des 10 années du ministère Marcellin et des 7 années du ministère turinien. Monseigneur Turini et moi-même, nous sommes presque des frères, nous nous connaissons depuis près de 30 ans. Alors, mes prédécesseurs, ils sont formidables. Mais alors, je vous le demande, je vous le dis, ne me demandez pas d'être leur clone, parce qu'alors vous risqueriez d'être un peu déçus. À trop nourrir d'illusions, vous tomberiez d'un peu haut, du haut du pic Carlite ou du fier Canigou. Bon. Je salue en tout cas aussi mes frères des diocèses de France qui m'entourent de leur amitié ce soir. Alors, en particulier, je le cite, Monseigneur Luc Meyer, évêque de Rodez, qui fut...
qui fut mon merveilleux vicaire général pendant 6 ans. Je salue les chanoines de la cathédrale de Perpignan, ainsi que mes frères prêtres et diacres que j'ai eu la faveur de rencontrer lors de ma première visitation dans le diocèse, fin avril. Mes amis, je vous reçois comme les premiers collaborateurs de mon ministère épiscopal. Sachez bien que cette collaboration est pour moi vitale. Il me serait tout simplement impossible de porter sans vous la responsabilité qui m'échoit. Cette collaboration d'ailleurs n'est pas que fonctionnelle, elle est profondément sacramentelle. Et c'est la raison pour laquelle je ne cache pas la grande joie que j'aurai dimanche prochain de présider l'ordination presbytérale de Philippe Péracola et de Vincent Benito. Je vous invite à les porter très fort dans votre prière. J'ai pu déjà mesurer la belle vitalité de la vie consacrée dans le diocèse lors de ma rencontre avec les religieux et religieuses au Carmel de Vincent. Le témoignage de leur vie donnée est précieux pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur en soit loué, qu'il en soit remercié. Je dis également mon estime et ma confiance à tous les laïcs, hommes et femmes engagés à divers titres dans la vie des mouvements, des associations, dans les communautés de paroisse, les services de la pastorale du diocèse, que portés par le souffle puissant de l'Esprit, dans le sillage de tous ceux qui nous ont précédés, nous puissions collaborer ensemble à l'évangélisation de ce beau diocèse dans un vrai climat de fraternité missionnaire. Je salue ma famille, mon frère, mes belles-sœurs, mes neveux et nièces, mes petits-neveux qui m'ont fait la joie de m'entourer aujourd'hui. Je salue mon papa et ma maman, ils nous regardent, ils participent à cette célébration du balcon du ciel. Ils sont bien présents aussi. Je salue les Mayennais présents dans cette assemblée ou qui suivent la célébration par les réseaux sociaux. Ils savent l'immense affection que je leur porte et la profonde gratitude qui est mienne de m'avoir supporté durant 3 quinquennats. C'est en pensant à eux que j'ai revêtu les ornements, chasubles et mitres, carmélites de Laval avait confectionné pour moi à mon arrivée il y a 15 ans. C'était une façon concrète d'emporter un peu la Mayenne avec moi. Qu'il me soit permis, pour conclure, d'exprimer quelques remerciements de circonstance, en m'excusant par avance de ne pas pouvoir être exhaustif. En premier lieu, je voudrais adresser un chaleureux merci au Père Marc Justafré, administrateur diocésain jusqu'à ce jour. Qui s'est investi à plein dans sa charge avec compétence et dévouement et qui laisse au nouvel évêque que je suis un diocèse en état de marche. Alors il caressait peut-être l'espoir de passer de la vacance au singulier, vacances du siège, aux vacances au pluriel, sauf que, avec son assentiment bien sûr, je le reconduis aujourd'hui au poste de vicaire général, mais pas tout seul, avec le père Joël Adou, qui a donné aussi son assentiment. Je les remercie du fond du cœur. Ils ont toute ma confiance. Je remercie la presse écrite et audiovisuelle des moyens pris pour relayer l'événement qui nous rassemble ce soir. Un merci appuyé aux services municipaux qui nous ont aidés à régler bien des questions pratiques. Merci également aux services de la maison diocésaine, aux prêtres,
et aux paroissiens de la cathédrale, ainsi qu'aux nombreux bénévoles qui se sont investis dans la préparation de cette messe d'installation. Je remercie celles et ceux qui en ont assuré l'animation liturgique, à commencer par notre cérémoniaire. Je remercie les chorales, organistes, animateurs de chant. Je remercie le service de communication du diocèse, les photographes. Je remercie les membres de l'archiconfrérie de la SANC. Mes amis, je vous redis tout simplement ce soir mon intention de vous servir. Je viens avec vous avec toute l'affection de mon cœur d'évêque, avec la ferveur de ma foi de croyant, avec cet élan aussi que suscite l'espérance lorsqu'elle nous projette en avant sur les chemins de la mission sans hésitation et sans peur. Je viens aussi avec mes limites, avec les faiblesses de mon humanité d'homme. Aussi, je vous demande de m'accueillir tel que je suis, de me faire aussi une place dans votre cœur. Mon cœur de pasteur se tourne vers toi, peuple catalan, peuple que Dieu aime. Tu portes en toi des ressources insoupçonnées pour relever le défi de l'annonce de l'Évangile. Tu as été guidé au long des siècles par des pasteurs inspirés et par d'innombrables saints et saintes, au premier rang desquels figurent sainte Eulalie et sainte Julie. Alors avance sans peur sur les chemins où le Seigneur te conduit. La mission est exigeante, certes, et les moyens pour la conduire peuvent te sembler par moments dérisoires, le Seigneur nous le redisait tout à l'heure dans l'Évangile, mais garde confiance, malgré tout. Ne prête pas l'oreille aux sirènes du désenchantement. Écoute plutôt ce que l'Esprit dit aujourd'hui à notre Église diocésaine. Sois fier de ta foi, ne la cache pas sous le boisseau du conformisme. Laisse-la flamboyer au contraire comme un feu d'espérance et de joie. Et que la Morénette à Notre-Dame de Font-Romeu nous enveloppe tous et chacun dans son manteau de tendresse, qu'elle nous accompagne maternellement sur la route de chacune de nos vies. Elle est belle, oh oui, elle est belle, notre Église en Pyrénées-Orientales. Inclinez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils, Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Mon aide, la Seine.
Come, say the daughters of Jeanette and Anna. Come, say the daughters. Eschus turum spertet bosum pala. Reined al cel que el serafins baixaren. Déu nos abric dins vostre mantell blau. Dins vostre mantell blau. Beneixent d'estrelles coronada, beneixent ciutat de Déu que somnia de vi, que somnia de vi. A vostres peus la lluna s'esposada, el sol sostaig vos dona per vestir, vos dona per vestir. Thank you.
Bonsoir à tous et bienvenue en direct de l'île de la Cité à Paris, en direct de la cathédrale parisienne Notre-Dame de Paris, dont les cloches et le bourdon résonnent à toute volée dans la capitale. Ce soir, la cathédrale accueille son nouvel archevêque, Monseigneur Michel Aupetit, qui va être donc officiellement installé dans cette cathédrale qui devient sa cathédrale. Monseigneur Michel Aupetit.